Alors là, en fait, on fait respecter le test du 180 degrés. Donc on met le bateau à l'envers et le skipper doit être capable par ses propres moyens, en inclinant la quille, de remettre le bateau à l'endroit. Voilà, donc c'est juste pour vérifier que le bateau se remet à l'endroit en cas de chavirage complet. Tous les bateaux en sortie de chantier à leur naissance passent par cette étape, une fois dans leur vie. Il y a de l'appréhension forcément, parce que déjà c'est la première fois que je le fais. Donc quand on vit pas, quand on n'a pas vécu les choses, déjà c'est plus compliqué de les imaginer et de les ressentir. Je suis parti de l'intérieur de la zone de vie, sorti à l'extérieur par la trappe arrière. Je me suis mis dans l'eau, je suis rentré à l'intérieur du bateau. J'ai enquillé une antenne VHF pour pouvoir être capable de communiquer avec l'extérieur et basculer directement la quille pour retourner le bateau. Voilà, il y a eu ouais, une petite émotion, une petite adrénaline quand même au moment de réaliser finalement le retournement. En fait, à l'intérieur, on a très peu de repères visuels, donc on ne sait pas où on est, à 90 degrés, à 180, à 0. En fait, on est complètement perdu, quoi. Donc moi, j'avais en permanence un contact avec Marco de l'extérieur, qui me donnait vraiment les infos. Et puis c'était qu'un bon contact parce que Marco l'a déjà vécu. Donc puis voilà, donc après, on a fait le déroulement comme il se devait par rapport à la jauge. Et c'est vrai que, bah, au final, c'est passé comme une formalité, quoi. C'est passé, bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Une chose de plus de faite et de bien faite, hein.